Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui une émission exceptionnelle. En plein cœur de la ville de Jérusalem, nous nous situons dans la cité du roi David. Et nous allons effectivement vous présenter ce personnage si emblématique de la tradition juive qu'est le roi David. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Shapira. Vous êtes historien, guide touristique ici en Israël et en particulier dans la cité de David. Alors essayons effectivement de présenter à nos téléspectateurs qui est ce personnage. Alors pour commencer, avant de le voir comme étant un roi d'Israël, eh bien essayons déjà de le présenter comme étant un jeune homme au sein de la communauté juive de l'époque. Oui, en effet, d'abord, David commence sa carrière comme berger, mais ce qui caractérise le roi David, c'est surtout son courage. Il n'a peur de rien. Son premier acte de courage qui vient dans la Bible, qu'on nous raconte, c'est ce fameux combat de David et Goliath. Goliath est un géant qui mesure plus de 2 mètres et que personne n'ose affronter tellement il est fort, il est grand et tellement on a peur de lui. Et David vient amener de la nourriture à ses frères qui sont engagés dans l'armée du roi Saül, dans les armées d'Israël, et il entend Goliath insulter le Dieu d'Israël. Et il se propose immédiatement de combattre ce Goliath. Et on lui dit, mais tu es petit, tu n'as pas d'expérience, tu n'as jamais été soldat, tu n'as jamais fait la guerre. Mais il s'entête et il va au départ s'armer d'une armure, c'est trop lourd pour lui. Et comme il est agile, il va abattre Goliath avec une fronde et la pierre. Et pour convaincre Saül justement qu'il est apte à vaincre Goliath, il raconte une histoire. Lorsqu'il était berger, qu'il gardait ses troupeaux, il a déjà combattu un ours et aussi un lion qui avait attaqué les troupeaux. Donc David, c'est un homme courageux, un berger courageux qui n'a peur de rien. Il se caractérise par un courage hors norme, hors pair. Il va au combat sans peur. David est un homme qui n'a pas de crainte ni de peur. Mais on le voit bien dans le texte, ce n'est pas tant une force physique, plutôt une force spirituelle, le ratson, une sorte de volonté comme ça qui sublime sa force physique. Et c'est d'ailleurs ce qu'il présente à Goliath en lui disant « mais c'est le Dieu d'Israël que je viens représenter, ce n'est pas simplement l'armée physique du roi Shaoul ». Absolument, les commentateurs d'ailleurs dans le Talmud vont comparer le miracle de Hanouka, ce miracle de cette révolte d'une minorité contre une majorité contre un empire, exactement comme le miracle du roi David, qui n'a pas peur de combattre contre un lion et contre un ours. Donc c'est ce miracle, cette volonté, c'est une force pratiquement divine, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et encore une fois, on le voit, David, tout au long de sa carrière, va combattre les Philistins, va combattre les peuples qui entourent Israël. Il va faire la guerre toute sa vie, jusqu'à un âge avancé, jusqu'à ce qu'il risque un jour de tomber de cheval et de se faire atteindre par l'ennemi. Et là, quand il sera vraiment âgé, on lui demandera de cesser de participer au combat. Mais toute la vie du roi David, c'est un combat permanent, ce sont des batailles permanentes pour élargir le royaume qui sera le royaume de David. Alors expliquez-nous, comment est-ce que la royauté se met en place en Israël? Pour être précis, comment est-ce que l'on passe du roi Shaoul au roi David? Pour l'instant, donc comme on vient de l'expliquer, David est simplement un jeune homme qui a un acte héroïque, certes, mais ça reste un jeune homme. Comment est-ce que le roi, qui était de l'époque le roi Shaoul, comment est-ce qu'il perçoit la personnalité de David et est-ce qu'il va avoir une peur d'ombre qui va s'imposer petit à petit sur sa royauté? Écoutez, le roi Shaoul, ou Saül en français, est monté au pouvoir parce que la situation était très trouble dans ce territoire qui était divisé en 11 tribus d'Israël et il fallait une personnalité pour rassembler tout cela. Mais il semble que Shaoul n'ait pas réussi à accomplir cette unité, ce rassemblement. Et c'est dans la difficulté, parce que tout de suite, David émerge, il est choisi par Dieu, par le prophète Samuel, quand Shaoul est encore au pouvoir. En fait, Dieu annonce à Samuel qu'il veut remplacer le roi Shaoul et qu'il veut nommer David à sa place. Et David va grandir en popularité. Après la victoire sur Goliath, David va être loué par tout Israël et Shaoul va être jaloux. Et à plusieurs reprises, Shaoul va tenter de l'éliminer, de lancer sur lui des lances. Et puis David sera obligé de s'enfuir et Shaoul ne va cesser de le poursuivre. Et là, on voit déjà qu'il y a, je dirais, une séparation, un conflit entre deux entités dans le pays. Une qui représente David, c'est-à-dire la Judée, la tribu de Juda, et l'autre, le reste d'Israël, les 10 autres tribus, représentées par Shaoul qui vient de Benjamin, de Benjamin. En fait, on voit déjà que le pays est divisé en deux groupes. Et ce que va faire justement David, et c'est la grandeur du roi David, c'est qu'il va
lorsqu'il arrivera, accédera au pouvoir avec énormément de difficultés. Hein. David, avant d'arriver et de régner sur tout Israël, il va régner 7 ans à Hébron, à Hébron, il va être le roi de la région de Judée, puis il accédera au pouvoir à l'âge de 30 ans sur tout Israël et il régnera 40 ans en tout. Donc c'est avec énormément de difficultés, de pénibilité que David va accéder au pouvoir et va régner sur toutes les tribus. Nous avons un grand principe dans le judaïsme qui est le respect de la royauté. C'est-à-dire que lorsqu'un roi est nommé, lorsqu'il s'impose par sa personnalité, personne n'a le droit de porter la main, ni ne serait-ce que d'ouvrir la bouche, contre le roi, contre la royauté. C'est un principe qui est développé dans le Talmud notamment. Comment est-ce que David finalement vit aux côtés du roi Shaoul, puisqu'on sait qu'au début c'est son musicien, on sait que Shaoul avait quelques perturbations au niveau de son psychisme, et donc David était là pour jouer de la musique à ses côtés, mais il sait qu'il a reçu l'onction, donc il sait qu'il sera le prochain roi, mais il ne peut pas encore s'imposer. Comment est-ce qu'il va trouver ce juste équilibre du respect de la royauté, en sachant pertinemment que ce sera lui le prochain roi? David a un immense respect et, par rapport au roi Shaoul, même quand le roi Shaoul essaiera de le tuer plusieurs fois, deux reprises dans une grotte qui se trouve à En Gedi, où on raconte que Shaoul se retire pour faire ses besoins. David va déchirer un bout de son manteau et un second épisode, David va rentrer la nuit au milieu d'un campement où se trouve le roi Saül et va lui prendre la lance et un pot qu'il avait à côté de lui. À deux reprises, David pouvait tuer le roi Saül et réveille ou montre à tous les armées du roi Saül et Saül lui-même qu'il pouvait l'atteindre, mais qu'il jamais, jamais, il ne lèvera la main sur celui qui a été choisi par Dieu. Et lorsque Shaoul et ses enfants, Jonathan et ses autres enfants vont périr au combat contre les Philistins au mont Gilboa, il y aura une prière, une lamentation du roi David, terrible sur Shaoul, pourtant qu'il voulait le tuer, et ses enfants, et surtout son ami Jonathan. Donc on voit ici l'immense respect qu'a David de ne pas porter, lever la main sur celui qui a été choisi par l'Éternel, c'est-à-dire le roi Shaoul, même si Dieu s'est détourné de Shaoul pour le remplacer par David. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que ce roi David va justement se marier avec une des filles de Shaoul, avec Michal. Et d'ailleurs, le texte nous raconte dans le Tanakh, dans la Bible, que Shaoul espérait la mort de David en lui disant « Si tu veux épouser ma fille Michal, je veux que tu ramènes, dans les mots du Tanakh, 100 prépuces de Philistins. » Écoutez, Michal, c'est un personnage absolument extraordinaire. C'est la seule femme dans la Bible, la seule et unique, où il est raconté qu'elle aimait David. Il n'y a aucune femme qui aime un homme dans la Bible, du moins ce n'est pas exprimé de cette façon-là. Mais il y a des hommes qui aiment des femmes dans la Bible, mais aucune femme n'aime un homme, sauf Michal avec David. Elle va avoir un destin tragique, car quand David va prendre la royauté, s'installer à Jérusalem, il va danser un peu comme un clown pour amener l'Arche Sainte. Elle va se moquer de lui, elle n'aura pas d'enfant. Mais ce qui est le plus important pour replacer le personnage et la personnalité du roi David, c'est l'organisation de la royauté. David, le premier acte qu'il va accomplir, c'est tout d'abord de conquérir la ville de Jérusalem, de s'installer et de transformer Jérusalem en une capitale qu'il va appeler la cité du roi David, là où nous sommes, la cité de David. Et c'est surtout ce qui est le caractéristique, c'est son sens de l'organisation. Il va nommer des archivistes, il va nommer un chef de l'armée, un ministre de la Défense, il va nommer des scribes, il va nommer des ministres. David organise la royauté de façon structurée, de façon structurelle. Et il va commencer une véritable royauté. Ça ne reflétait pas la royauté, la courte royauté de Shaoul, qui est occupée non seulement à combattre les Philistins, mais en plus à combattre David. Son règne est un peu, sa royauté est un peu éparpillée. David, lui, il concentre, un peu comme un Napoléon, hein, il concentre les pouvoirs, il partage les pouvoirs, et il essaye de déléguer et de nommer des personnes qui vont l'assister et qui vont lui permettre d'appuyer son règne pour longtemps. Revenons justement sur le choix de la ville, de la cité de Jérusalem. Pourquoi est-ce que David porte ce choix vers Jérusalem et pas vers une autre ville? Alors, d'après certains de nos commentateurs, il y a 4 intérêts particuliers. Tout d'abord, c'est ce que vous venez de dire, la centralité. Nous sommes entre les tribus pour pouvoir justement réunifier l'ensemble du peuple, puisque David veut être l'émanation du peuple. Il y a également la sécurité, puisqu'il y a des murailles imprenables qui entourent et qui protègent la ville de Jérusalem. Il y a un point d'eau avec le point de Gihon. Et puis, il y a une approche religieuse. Quelle est-elle ?
Alors, il faut d'abord considérer, comme vous l'avez dit, l'aspect stratégique, parce que c'est extrêmement important. Jérusalem, la cité de David, en fait, partage ou départage deux entités, Juda d'un côté, la Judée, et le reste, c'est-à-dire la Samarie, et ce point stratégique. Au point de vue de l'eau, c'est vrai que vous avez cité la source de Gihon, mais ce n'est pas une ville très très bien placée d'un point de vue stratégique, parce qu'elle est coupée de voies principales qui sont la route de la plage, hein, la route de la mer qui permet le commerce maritime, et puis ce qu'on appelle la route royale, celle qui se trouve aujourd'hui en Jordanie, et qui permettait aux caravans d'accéder. Mais il y a ici un choix spirituel, un choix divin, une montagne où, qui, d'après la tradition, qui s'appelle le Mont Moria, où Dieu a créé la première pierre lorsqu'il a créé le monde, la pierre de la fondation, Even Hashtia. Cette pierre a servi pour la création du monde, et d'après la tradition rabbinique, c'est sur cette pierre, ce rocher, qu'Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. Et donc c'est là que le temple de Salomon, le fils du roi David, sera choisi, et Jérusalem deviendra, il y a 3000 ans, la ville sainte, la ville ultime, le centre, la centralité spirituelle du peuple juif. Vous l'avez appelé le temple de Salomon, c'est-à-dire que le roi David, malgré son rêve de construire la demeure de Dieu, n'a pas cette autorisation. David est un fidèle serviteur de l'Éternel. Rappelons quand même que David écrit les psaumes du roi David. David joue de la harpe, joue de la musique pour l'Éternel. Mais lorsqu'il demande de construire une maison pour accueillir l'Éternel, eh bien, Dieu lui dit non, tu ne construiras pas mon temple. Pourquoi, demande le roi David, n'ai-je pas été un fidèle serviteur toute ma vie? Ne t'ai-je pas servi? Dieu lui dit, toute ta vie tu as combattu, tu as versé du sang, tu as tué les ennemis. L'homme qui construira mon temple sera un homme de paix, et non un homme qui aura versé du sang. Et évidemment, vous savez comment on dit paix en hébreu, shalom, c'est son fils Shlomo, hein, Shlomo qui vient du mot shalom, qui signifie la paix, c'est son fils qui est un homme de paix, qui n'aura pas versé de sang, qui construira le temple de Jérusalem, car celui qui construit et bâtit le temple ne devra pas avoir versé de sang. C'est ça, et puis la ville de Yerushalayim, et on retrouve également le mot shalom. Absolument, le mot plénitude, car la paix est une plénitude. Shalom, shalem. Alors nous, en parlant du roi David, nous ne pouvons pas faire l'impasse d'un épisode particulièrement intéressant, particulier, qui demande véritablement un approfondissement, c'est la relation entre David et Bathsheba. Bathsheba qui sera la mère du roi Salomon, justement, donc aussi une femme très importante. Que se passe-t-il exactement? Comment est-ce que dans le texte, cette relation va nous être présentée? Écoutez, c'est un épisode assez troublant, car David aperçoit une femme sur un toit qui se lave. Il demande qui est cette femme. Elle s'appelle Bathsheba, ou Bethsabée en français. Elle est mariée à un soldat qui est sur le front, qui s'appelle Uria. Et il demande à ses serviteurs de l'amener. Puis il a des relations avec elle, et cette femme tombe enceinte. David est très embêté, donc il rappelle son mari du front, et pour qu'ils aient des relations intimes et que le fait qu'elle soit enceinte soit perçu comme si c'était l'œuvre de son mari. Or, quand Uria revient à Jérusalem, Uria reste devant le palais du roi et refuse de revenir chez lui. Et quand le roi David presque l'implore de rentrer chez lui pour avoir des relations avec sa femme, il dit, cette phrase est incroyable, il dit, comment mes hommes, mes soldats et mes officiers dorment dehors face à l'ennemi, et moi j'irai rentrer chez moi et boire du vin et avoir des relations avec mon épouse pendant que mes compagnons d'armes souffrent. David, comprenant qu'il n'arriverait pas à les réunir tous les deux, fait quelque chose de très cynique, hein. Il écrit une lettre, évidemment, qu'il ferme et qu'il donne à Uria, dans laquelle il demande à son chef d'état-major, Yoav, d'envoyer Uria au front avec toute l'armée et un signal donné de se replier, laissant Uria tout seul face aux archers. Et Uria va être tué. Et lorsqu'il sera tué, sa femme Bathsheba prendra le deuil une semaine, puis David la prendra comme épouse. Et elle tombera et elle accouchera quelques mois après. Le prophète Nathan arrive chez David et lui pose une question, lui raconte une histoire. Deux hommes habitaient l'un à côté de l'autre. L'un était riche et avait un grand troupeau, des milliers de bêtes. L'autre était pauvre et avait une seule brebis. Un jour, l'homme riche décida d'organiser un grand festin. Qu'est-ce qu'il fit? Il prit la brebis de l'homme pauvre, il l'égorgea et l'offrit à tous ses invités, à tous ses convives. David s'éclame. Mais c'est impossible, cet homme-là devrait être tué. Et Nathan, le prophète, lui dit, c'est exactement
ce que tu as fait. Tu as pris la femme d'un homme qui était au front et tu as cru que cette chose qui était secrète ne serait pas révélée aux yeux de Dieu. Tu as fait une faute terrible et David sera puni, doublement d'ailleurs. Doublement, à court terme, comme on pourrait appeler ça, à court terme, l'enfant qui naîtra de Bathsheba, son premier fils, mourra au bout d'une semaine. Mais David, qui a fauté par la famille, en brisant une famille, lui aussi aura sa famille qui se brisera en mille morceaux. Et toute l'histoire de David, ce sont des conflits terribles qui opposent les enfants entre eux-mêmes, les enfants du roi David, et même un de ses enfants. L'épisode Amnon et Tamar, donc un frère et une demi-sœur, Amnon va violer sa sœur Tamar, et il sera tué par Avshalom, l'un des fils de David. Avshalom se rebellera contre David. David sera obligé de s'enfuir en passant par la vallée du Cédron et le mont des Oliviers. Et il sera obligé de se cacher. Puis Avshalom sera tué et David aura de la peine. David, d'ailleurs, n'a aucun recul par rapport à ses enfants. Il les aime tous. Et même quand Avshalom se révolte contre lui, il aura énormément de peine d'apprendre la perte d'Avshalom. Nous pouvons remarquer tout de même que la particularité de ce texte de la Bible, du Tanakh, n'hésite pas à nous présenter les faiblesses également des hommes et des grands personnages de la Bible. On aurait pu imaginer qu'on fasse une sélection de passages et qu'on laisse cette histoire un peu particulière, comme vous venez de le rappeler, de côté. Ça n'a pas tellement d'intérêt religieux. Et pourtant, c'est une grande force, à mon avis, de la Bible, que d'aborder effectivement ces histoires-là au niveau humain, et de rester au niveau humain. Je crois que c'est la grandeur de la Bible, et c'est toute la magnificence de la Bible. C'est de raconter une histoire d'homme, une histoire d'humain, avec leurs forces et surtout leurs faiblesses. Et justement, quand on lit à propos des faiblesses des hommes, eh bien, on en apprend encore davantage. C'est pour nous une leçon. Hein, c'est le but de la Bible, n'est pas de fausser l'histoire, n'est pas de raconter l'histoire d'anges dans le ciel, mais de raconter des histoires humaines, des catastrophes, des jalousies, des tragédies, des tueries. Ça peut sembler au départ assez repoussant, mais ce n'est pas un livre de contes qui nous raconte une histoire divine. Ce sont des histoires d'hommes qui sont grands dans leur comportement, mais qui tombent souvent, qui ont des faiblesses. Et je crois que ce qui est le plus important de retenir dans cette histoire de roi David et de Bathsheba, c'est le fait que quand le prophète annonce à David qu'il va être puni, David reconnaît immédiatement sa faute. David demande la repentance, David implore le pardon, il implore. C'est pour ça que Dieu ne le punira pas de mort, mais lui dira, voici la punition que tu auras. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la sincérité de David, c'est le fait qu'il ne renie pas sa faute, c'est le fait qu'il en a conscience. Et c'est ça l'enseignement de cet épisode et l'enseignement de toute la Bible, de voir la faiblesse de ces grands personnages qu'on vénère, parce que le roi David est resté une personnalité hors du commun. Quand on prend la Bible dans son ensemble, on voit combien de chapitres occupe cette histoire du roi David. Trois livres, le livre de Samuel 1, le deuxième livre de Samuel et le livre des rois, le premier livre des rois. Près de 60 chapitres sont consacrés au roi David. Le christianisme, les chrétiens ont aussi adopté le roi David. Le roi David, pour nous, c'est un symbole, le symbole d'un des plus grands rois qui a régné. Jamais quelqu'un n'aura été aussi grand que le roi David qui apparaît dans l'art, dans toute sa splendeur. Donc c'est aussi pour nous un enseignement. Je pense que c'est aussi dans cette optique-là que certains maîtres dans le Talmud affirment que celui qui pense que David aurait fauté ne fait que se tromper. Vous allez me dire, mais pourtant il a bien reconnu sa faute. Le prophète lui a dit qu'il a fauté, il a reconnu sa faute. Mais à mon avis, l'interprétation de ce passage-là, du Talmud, est de dire que grâce à sa repentance, à sa prise de conscience et à sa sincérité, eh bien du coup, c'est comme si rétroactivement, sa faute avait été non pas effacée, puisqu'il va en subir les conséquences, comme vous l'avez rappelé vous-même, mais au moins montrer la puissance d'un homme qui, affaibli, est capable de prendre conscience de son erreur, alors qu'il est roi d'Israël, et qu'il aurait pu dire, eh bien, je reste et peu importe mon erreur, eh bien, il prend conscience de cela, il modifie son comportement et il reste le roi David que nous proclamons tant à travers nos différentes prières et qui reste également l'auteur des psaumes, l'auteur des Tehillim. Et il a écrit des Tehillim malgré cette erreur, malgré cette faute et des Tehillim qui sont rentrés donc dans le canon biblique. Oui, je crois que c'est la force du judaïsme et surtout la force de Yom Kippour, hein, cette journée de repentance, c'est-à-dire de sachant que nous pouvons fauter, la force
de reconnaître sa faute et de demander pardon, et quelquefois même de pouvoir accepter notre pardon, que ce soit parmi les hommes et aussi parmi Dieu. Sonia Felouz, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle synagogue de Buffo pour évoquer avec vous aujourd'hui un sujet fort intéressant qui est celui de la cité de David. Alors avant d'évoquer ce sujet, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes docteur en sciences religieuses. Vous vous partagez entre la recherche et l'enseignement puisque vous êtes chargé de recherche au CNRS, chargé de cours à l'université Paris 1 Sorbonne, également chargé de cours à l'Institut Elie Wiesel, l'Institut universitaire européen Elie Wiesel. Et donc avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la cité de David. Et pour commencer, une première question. On confond souvent Jérusalem et la cité de David. A-t-on raison de les confondre ou y a-t-il une différence entre ces deux lieux ? Alors, il y a évidemment une différence géographique et historique. La cité de David n'est pas la cité de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'a pas son étendue et il est fort possible qu'elle n'occupait qu'une toute petite parcelle au sud du mont du Temple. C'était une petite cité-état à l'époque des Jébuséens, en 1800 à peu près avant notre ère. Et à l'époque de David, c'était une petite cité dans laquelle il s'est installé, qu'il a prise sans doute aux Jébuséens, car elle constituait un territoire assez symbolique. Alors les Jébuséens étaient les occupants de la ville qui deviendra Jérusalem, de Jébus, qui était sur un promontoire. Elle était connue, ou elle a été prouvée archéologiquement, avoir été une cité-état très importante aux environs de 2000 avant notre ère, même 3000 avant notre ère. Et en fait, elle était occupée par les Jébuséens. On a même une première mention faite de Jérusalem, enfin de Jébus, au moment de la rencontre d'Abraham avec le prêtre-roi Melchizedek à Jérusalem. Et d'ailleurs, cette rencontre est tout à fait symbolique de ce que deviendra Jérusalem, puisqu'on raconte qu'Abraham a offert la dîme à Melchizedek et que c'était une annonce de la dîme qui devrait être offerte au temple par la suite. Donc c'était, si vous voulez, les prémices de l'histoire fondamentale de Jérusalem au sein de la culture juive. Lui, il est décrit comme étant le roi de Chalem. Mais en fait, c'est Jébu. Hein. C'est le roi, alors prêtre-roi, roi-prêtre. Vous savez, toute la construction après messianique s'est faite autour de cette rencontre, pour les chrétiens principalement, bien sûr. Mais tout de même, le fait d'être allé offrir la dîme prend une dimension rabbinique dans les commentaires, des rabbins du Talmud notamment. Et on explique donc, c'était là l'annonce faite quasiment que Jérusalem deviendrait l'abri du temple. Bon, alors David, il s'installe probablement sur le mont Ophel. Alors les archéologues se disputent. Vous savez qu'il y a deux écoles archéologiques en gros. Certains pensent que la cité de David se trouvait en fait sur le mont du temple et qu'elle aurait été détruite lors de la construction du temple de Salomon, hein, qui vient juste régner après David, le fils de David. Elle consistait en quoi? C'était des palais royaux? Alors, on parle de palais royaux, mais vous savez, les sources archéologiques tendent de plus en plus à prouver que c'était à peine un village amélioré, une espèce de chefferie. Hein. Ce n'était pas vraiment le royaume, c'était le royaume en devenir. Et donc, en guise de palais royaux, on ne peut pas savoir ce qu'il y a, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut se fier qu'au texte biblique. Vous savez, une grande partie de l'archéologie juive dont on a pour preuve que le texte biblique. Bon, aujourd'hui, les projets archéologiques font de grands progrès, on découvre tout le temps. Hein. Et il semblerait que la construction importante de la cité de David soit cette espèce de construction en escalier qui nous donne l'idée que la ville était sur une pente, ce qui confirme que c'était peut-être le mont Ophel, donc la pente du mont Ophel. Mais certains archéologues, comme Finkelstein par exemple, disent qu'il est plus probable que la ville ait été sur une crête, comme un site fortifié, puisque vous savez qu'à l'époque de David, le royaume était très assailli de part et d'autre par tous les peuples environnants, les clans environnants, les Moabites, les Édomites, les Philistins. Il y avait un conflit vraiment très important, ce qui a évidemment conduit la fédération de tribus
à se donner un roi. Et la royauté n'était pas envisagée au départ pour Israël, pas du tout. C'était même, enfin, les prophètes étaient complètement contre. David construit une espèce de centralisation du pouvoir dans ce lieu-là. Et pourquoi ce lieu-là ? Parce que ce lieu était resté une enclave araméenne au sein d'un territoire qui avait été reconquis par Saül et par David, et qu'en vérité, il annule la dernière enclave cananéenne, mais il se trouve géographiquement au milieu des tribus, entre le territoire du nord et le territoire du sud. Donc il a une position stratégique et en même temps unificatrice, puisqu'il est au centre des tribus. C'est-à-dire que David, en fait, voulait unifier les tribus à travers cette capitale. Le voulait-il, ne le voulait-il pas ? En tout cas, il a livré une guerre intestine contre le fils de... contre Ish-bosheth, le fils de Saül. C'était pas simple, hein, c'était pas une... une suite, une passation de pouvoir facile. Une guerre civile. Il y a eu une guerre, n'est-ce pas ? Et David s'est imposé. C'était un grand stratège, manifestement. Alors, les sources archéologiques et bibliques le présentent en même temps comme le chef d'une bande, comme un guerrier redoutable et tyrannique, comme le fils d'une riche famille, ou comme le fils d'une famille, enfin, le dernier né d'une... il était un jeune pâtre, jeune par son âge. Bref, en tout cas, de fait, il a réussi à... reprendre la guerre qu'avait menée Saül. Il ne faut pas oublier que Saül a été choisi pour ses talents de guerrier et pour défendre la fédération de tribus qui ne s'accordait plus. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a eu un roi ? C'est parce que les tribus ne venaient plus au secours les unes des autres. Donc ça dysfonctionnait. Et donc on a établi la royauté, mais avec cette grande défiance des prophètes qui ne voulaient pas qu'un roi profite de sa position pour usurper tous les pouvoirs et pour régner de manière inique. Dans la Bible, c'est décrit qu'il ait des centaines de femmes, en fait, qu'il se fasse entretenir par son peuple, etc. Et donc, il y a cette espèce de prémisse de gouvernement démocratique où on explique que si on a un roi, alors il faut qu'il soit choisi par le peuple et il faut renouveler ce choix régulièrement. C'était absolument incroyable pour l'époque. Donc, David, qu'est-ce qu'il fait ? Fort de ses défiances prophétiques, il s'associe les prophètes. En faisant venir l'arche à Jérusalem, il fait une action fondamentale. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que Jérusalem n'est pas seulement la capitale politique du royaume de David. En amenant l'arche d'alliance, qui contient notamment les tables de la loi, il en fait une capitale religieuse. Ben, il associe le pouvoir temporel et spirituel sans pour autant usurper le rôle des prophètes. C'est-à-dire qu'en gros, il fait un espèce d'accord tacite. Il érige Jérusalem comme le centre de sa gestion du pouvoir, disons, et au lieu de s'affronter au prophète, parce que vous savez que jusque-là, le prophète est une sorte de contre-pouvoir. C'est justement le fonctionnement très spécifique de la dynastie royale, en tout cas judéenne, pour ce qu'on en sait, et aussi israélite. Le fonctionnement du pouvoir en Israël fonctionne sur deux volets, le pouvoir et le contre-pouvoir. Et le prophète est là, systématiquement, pour rappeler au roi les lois. Et la grande révolution des 10 commandements, c'est que ces commandements-là valent autant pour le peuple que pour le roi. On a l'exemple du péché de Bethsabée où exactement. Le prophète Nathan va admonester le roi d'une manière exactement. Absolument incroyable. Et puni terriblement, il perd tous ses fils du premier mariage, quand même. Donc c'est vraiment, la règle s'impose à tous. C'est la grande révolution des 10 commandements et de la Bible, puisqu'on a les mêmes commandements dans le code d'Amourabi, mais il ne s'impose pas aux classes dominantes. Voyez. Et donc là, en faisant venir l'arche à Jérusalem, il associe le pouvoir temporel et spirituel et il crée une centralité et une unité qui marquera l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même une tradition rabbinique qui dit que lorsqu'il a acheté, en fait à Aravna une aire de battage pour y construire un hôtel à UTEL oui. pour faire des sacrifices. Et la tradition rabbinique dit qu'il a acheté cet endroit avec l'argent des 12 tribus pour que chaque tribu ait une part dans le spirituel, donc dans ce lieu de spiritualité. C'est intéressant. C'est très intéressant. Cette volonté d'unifier les tribus à travers ce geste-là. Le fait que la Bible spécifie en effet qu'il n'a pas voulu accepter de cadeau, on a voulu lui offrir. Hein.
et qu'il n'ait pas voulu, parce qu'il n'était pas question que Dieu soit honoré sur une place qui n'aurait pas été celle du peuple, enfin, achetée par lui, qu'il la possède en tant que telle, exactement comme Abraham avait acheté le tombeau de Macpéla. Donc là, il y a une valeur symbolique ajoutée, en quelque sorte. Alors, finalement, donc, la cité de David, si je vous ai bien compris, c'est en réalité une partie de Jérusalem. Ce n'est pas la totalité de la ville de Jérusalem. De Jérusalem actuelle, vous voulez dire? Oui. Ah non, mais c'était absolument minuscule. Minuscule. Minuscule, probablement beaucoup plus au sud, plus au sud en tout cas que le mont du Temple, sur l'Ophel. Bon, et vous savez que sur l'Ophel, on a trouvé des synagogues contemporaines du Temple de Jérusalem. Donc c'est un lieu qui était situé entre la vallée du Cédron et le Tyropéon, pas loin des sources de Shiloh. Et alors, c'est très contesté comme lieu parce que, en effet, ce n'est pas sur une crête. Et les archéologues disent qu'il n'est pas habituel qu'on construise un lieu fortifié sur une pente. D'autres archéologues pensent que c'est vraiment sur le mont du Temple, mais que, étant donné qu'il est impossible de fouiller, et qu'en fait, ce lieu-là a été détruit par Salomon pour ériger dessus le Temple. On ne peut pas vraiment savoir. Mais l'archéologie, de plus en plus, tend à prouver, aussi bien à Jérusalem qu'ailleurs, ce n'est pas la petite cité sans importance, mais probablement une dynastie en devenir qui s'impose là avec la royauté de David. Les sources archéologiques, les découvertes archéologiques, tendent quand même à corroborer l'idée selon laquelle la dynastie de David a marqué son temps. Donc, du point de vue historique, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a des traces de David, je parle de sources documentaires hors bibliques, on n'en a pas de Salomon. Donc, étrange. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui est devenu cette cité de David, on n'est pas en mesure de répondre. Il n'en reste rien en surface. Alors, écoutez, très honnêtement, je vais vous dire oui et non. Non, il ne reste rien de la cité de David archéologique, de l'époque de David, peut-être quand même la construction en escalier, mais qui pourrait être jébuséenne, déjà c'est antérieur, mais certainement la valeur spirituelle, la dimension politique et eschatologique de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est important. Et puis, je voudrais qu'on parle aussi évidemment de la figure de David, parce que finalement on a retenu beaucoup plus la figure messianique, notamment de David, peut-être plus que la cité de David. L'histoire a retenu beaucoup plus cela, apparemment. C'est-à-dire que la Bible a tout inscrit la cité de David. Pour beaucoup, elle est Jérusalem. Donc on ne s'est pas posé la question, puisque vous savez que les recherches archéologiques, c'est une œuvre récente. Hein. Les exégètes, en fait, mais les archéologues, ont commencé à essayer de prouver l'histoire biblique en cherchant en fonction de la Bible. Donc c'est comme ça qu'on est tombé sur quelques découvertes et qu'on a pu corroborer beaucoup de ce qui est écrit dans la Bible, mais aussi décaler les espaces-temps de ce qui est écrit dans la Bible. La figure de David, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue cette figure si importante, même d'ailleurs pour d'autres religions que le judaïsme? Alors, et cette figure messianique? La figure de David s'est construite, à mon avis, certainement a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait de David, on a érigé David, on lui a construit une mythologie, comme on fait souvent. C'est le David qui a défait Goliath, c'est le David qui a vaincu les oppresseurs d'Israël, c'est le David qui a fait venir l'arche à Jérusalem. Mais il faut après se plonger dans les récits prophétiques. Isaïe, le rameau de Juda. Juda est devenu la tribu de laquelle la royauté doit émaner, forcément. Et de fait, l'histoire nous prouve que c'est la dynastie judéenne, donc issue de Juda, la royauté judéenne qui a perduré depuis David jusqu'à la destruction quasiment du premier temple. Et peut-être même il y a eu encore un retour avec les Maccabées. Donc on peut dire que finalement, la dynastie qui a régné le plus longtemps, c'est celle de Juda et de David. Oui, parce que même après la mort du roi Salomon, lorsqu'il y a eu le schisme, le royaume d'Israël a été anéanti avant le royaume de Juda. Le royaume d'Israël a été anéanti en moins 722, celui de Juda en moins 586, et ensuite les rois qui sont revenus avec les Asmonéens notamment, et jusqu'à Hérode, qui va épouser une princesse judéenne pour établir
sa royauté, issue de Juda, on a cette espèce de marque obligatoire qui veut que la royauté est issue de Juda. Mais plus encore, il faut se plonger dans Isaïe, qui dit le rameau sortira de Juda, donc le rejeton qui amènera le Messie doit sortir de Juda. Et donc, David est devenu la figure, non pas messianique lui-même, mais de laquelle sera issu le Messie. Et de fait, il y a une confusion des rôles. C'est-à-dire que David est la figure qui annonce l'avènement messianique. C'est du rameau de David, de la tribu de Juda, que sera issu le Messie. Et donc, le Messie est attendu de Juda. Autrement dit, représenter David, c'est représenter, et on le voit très clairement dans la synagogue de Doura Oropos, 3e siècle, dans la synagogue de Gaza, 6e siècle, dans l'iconographie médiévale, tant juive que chrétienne, dans les tableaux de Marc Chagall et d'autres encore, on voit très bien que quand on représente David, ce n'est pas seulement David du passé que l'on représente, mais l'attente de l'avènement messianique que la figure de David annonce. Et donc David occupe une place extraordinaire, sans compter évidemment son rôle dans l'écriture des psaumes notamment et des proverbes. Donc David est le roi parfait. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans, il devient le modèle, avec Salomon, le modèle de gouvernance. C'est la gouvernance parfaite. Le roi qui a su associer le spirituel et le temporel, le roi qui a su apporter la paix, le roi choisi par Dieu, parce que n'oubliez pas, onction, l'onction, et qu'est-ce que ça veut dire l'onction ? Être oint, c'est la messianité. Et ce qui est intéressant, c'est que sa ville aussi, sa capitale, Jérusalem, a un rôle dans l'économie du messianisme, puisqu'on dit également que le Messie viendra de Jérusalem. Bon, sauf pour les chrétiens qui se sont, qui se sont séparés de cette partie terrestre, puisqu'ils ont fait une religion universelle. Mais en effet, le Messie arrivera par le mont des Oliviers. Et donc, Jérusalem est très profondément ancrée à sa double vocation politique, qui est celle d'être le berceau et la centralité, la colonne vertébrale de la restauration, disons, du royaume de Judée, enfin en tout cas de l'État judéen originel, mais c'est aussi la ville par laquelle le Messie arrivera. Et donc il y a vous connaissez ce courant très important qui a conduit tous ces sages depuis toute l'histoire à se faire enterrer au mont des Oliviers, parce qu'ils voulaient faire partie de la résurrection au moment de l'arrivée du Messie. Le premier qui verrait le Messie. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que ce que vous dites, ça permet aussi de comprendre un midrash qui enseigne que lorsqu'Adam, le premier homme, est né, un midrash raconte qu'il avait vu l'âme du roi David, qui devait être un enfant mort-né. Et Adam aurait donné 70 ans de sa vie au roi David pour qu'il puisse donner ce qu'il a donné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la création du monde et on a le roi David, la rédemption. Donc ça veut dire, c'est comme si dès le début du monde, on a déjà cette idée d'une fin et d'un projet. Un projet. C'est intéressant. On relit ce midrash différemment, en fait. C'est-à-dire que le midrash a lu dans le texte biblique un projet. Il a construit un projet, et il y a toute une construction a posteriori, évidemment, mais qui a servi beaucoup aux Juifs à patienter. Dans ces situations, on peut dire que les Juifs ont vécu 2000 ans dans un monde qui leur était hostile, en gros. Et donc je pense que cette construction midrashique a beaucoup aidé les gens à espérer, les Juifs à espérer, et à croire qu'il y avait quelque chose qui les attendait au bout, et que ce projet-là les tendait tous vers Jérusalem et vers la reconstruction d'un royaume où ils auraient leur place. Et évidemment, dans les temps où le messianisme était, disons, l'attente générale, hein, aussi bien pour les Juifs que les chrétiens, et même pour une certaine frange des musulmans, l'attente d'un sauveur. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a eu pour des gens comme les messies qui sont arrivés au XVIe et XVIIe siècle, Shabbatai Tzvi et Frankel. Les gens étaient dans l'attente d'un avènement messianique, il est sauvé de leurs conditions. Et donc le roi David a toujours constitué, et vous savez, sa position à Doura Oropos, dans la synagogue de Doura Oropos, David est figuré 5 fois. C'est où Doura Oropos ? Alors Doura Oropos, c'est situé en Syrie. On a découvert en 1932
à la faveur d'une campagne de fouilles archéologiques, une synagogue dans un lieu très reculé, aux confins de l'Irak quasiment, un plateau qui surplombait l'Euphrate, une synagogue enterrée sous le sable pour renforcer la muraille extérieure contre laquelle un siège était mené, contre la ville. Et cette synagogue a été enfouie dans le sable et elle est réapparue intacte en 1932, entièrement recouverte de peintures de la Bible sur tous ses murs, jusqu'à 10 mètres de hauteur. Elle est montrée dans la nouvelle exposition qu'il y a à l'Institut du Monde Arabe, là, en ce moment même. Elle est projetée là, elle est reconstruite. Elle est en plus petit au musée de la diaspora à Tel Aviv, reconstituée. 4 murs pleins de figures bibliques et de scènes bibliques. Majeure partie Moïse et David, sur le mur ouest, dirigé vers Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'onction du roi David. On voit David à la bataille de Ziph avec Saül. Et on voit surtout David en Orphée. David, Messie, trônant à la fin des temps, sur le trône avec les 13 tribus reconstituées. Le David messianique, c'est-à-dire le David, l'onction de David, l'espoir d'Israël. Et le David Messie, le sauveur d'Israël. Et donc c'est très important de voir que David est déjà dans cette position d'emphase au IIIe siècle de notre ère, mais que déjà sur les stèles de Mécha, au Xe siècle, IXe siècle, avant notre ère, stèles de Dan, avant notre ère, il est déjà le chaînon, le départ de cette dynastie qui marquera toute l'histoire biblique, finalement. Les deux royaumes, Juda et Israël, c'est le royaume de David, en quelque sorte, pour le sud. En Syrie, on a découvert un pavement de mosaïque du 5e siècle. La conservatrice du musée de Damas a eu le temps de faire la photo. Elle a envoyé au musée, elle a été assassinée, la mosaïque a été enlevée, elle a été volée, elle a disparu. Donc on n'a que la photo. Et la photo, en fait, représentait dans un pavement donc d'une église en Syrie, le combat de David et Goliath. Et on a un David tout petit avec sa fronde, ayant vaincu Goliath, un géant au sol, pendant que le peuple de Juda observait la scène. Et c'est extraordinaire, et c'est comme ça qu'il s'est imposé dans la royauté. C'est-à-dire qu'en fait, il était celui qui remportait la victoire sur plus puissant que lui. Il était ce roi modèle qui était en même temps le roi religieux. Et rappelez-vous le rôle de Saint-Louis, les croisades, la piété dans le monde médiéval, etc. Tant et si bien que les rois capétiens se font représenter en David et Salomon. Et donc David prend une place prépondérante dans la culture judéo-chrétienne jusqu'à nos jours, parce que les peintres du XXe siècle représentent David comme une figure orphique, comme une figure messianique, comme une figure extraordinaire. Par exemple, même les Juifs, pendant toute la période antique, disons, vont représenter, et les chrétiens, vont représenter David en Orphée. Pourquoi Orphée ? Orphée, vous savez, c'est le fameux Orphée de la mythologie grecque, qui était celui qui était retourné aux enfers pour rechercher celle qu'il aimait, Eurydice. Donc il a ramené des morts quelqu'un à la vie. Et donc c'est cette capacité, c'est la tente messianique dans laquelle se trouvent les Juifs jusqu'à aujourd'hui, et les chrétiens jusqu'à un certain temps, de cette espèce de résurrection possible à l'avènement messianique. Et donc l'idée de la transcendance de la mort, finalement, est tout entière baignée dans la croyance que du rameau de David surgira un jour le sauveur. Merci Sonia Felous, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.